Cité Soleil entre différents groupes armés en dans en commune Cité Soleil et pendant échange coup de balle ça yo t'a boucanté coup de balle ça yo gè plusieurs monde qui sorti et blessé côté n'a dit hier gagnon tension tête chargée qui régnait qui blasi dans commune Cité Soleil c'est gang armé dans différents quartiers en dedans commune là qui même t'a affronté t'a troqué connio ensemble et situation ça causé en pile monde victime gè si là qui recevoir plusieurs balles gè si gè l'autre même qui a bon semble taper dit la vie yo même selon information que nous même n'a bousqué toujours mais parmi quantité monde qui victime yo nous apprendre que ta gagne pour petit 5 monde qui t'a sorti blessé et parmi yo un agent sécurité information fait quoi que agent sécurité ça qui blessé gravement qui blessé vraiment grave et qui t'a prend soin calme mérité dans l'hôpital dans zone métropolitaine Port-au-Prince non on dit bien mais pour qu'on y a est-ce que tout bagarre en forme pour lui c'est ça non capable lié comme information capable comme information situation tension qui était réelle à hier dans commune Cité Soleil n'a dit tout pendant hier situation ça t'a développé hier dans commune Cité Soleil nous apprendre que Jimmy Echerizier dit et barbecue nous connaît les mêmes qui c'est porte-parole la Genève en famille avec allié qui est pour slogan moyen moyen toute mais hier là qui information fait quoi elle t'a porté renfort avec équipe li dans Cité Soleil qui t'a bataille dans Cité Soleil avec l'autre groupe bien information fait quoi que Jimmy Echerizier t'a recevoir balle et gagné un proche qui bien allié qui t'a tombé c'est information ça mais après tout et ta santé monsieur pas bon papa Jean Mounio t'a fait cruel là et bon il pas fin trop pas bon que ça mais nous même nous là n'a pas cherché toute information net pour boter baou pendant jeudi en sur antenne Radio Mega mais c'est ça information que mais Jimmy et Chérigé dit barbecue papa G9 en famille avec allié main tout hier là qui est à sorti blessé non pour te renfort avec allié li équipe li qui y a même dans Cité Soleil cap tout qu'on avec l'autre groupe armé en dans cité là n'a prêté toujours n'a causé insécurité zak ka produit en de pays a hier là vraiment zone Badelma Cité Soleil yo connaît la situation tension après nek amek tap touke konyo mais la police qui lui-même continue à compter cadavre les policiers qui continue à grandir la chaque jour qui passait et ben policiers qui a tombé en babal bandi nous apprend hier là gagnant policier ça agent 4 ça qui c'est Abel Rochas qui lui-même tombé en babal bandi pas arrivé identifié hier après-midi mercredi 12 mai 2021 zone Delma 3 qui pas trop loin au côté que les marchés Clorox d'après une source qu'une capable faire confiance un bien nouveau cas ça livin augmenté rend la police en qui au même a compté cadavre je dis à c'est Abel Rochas agent 4 qui tombé en babal bandit pas arrivé identifié hier après-midi dans zone Delma 3 selon premier élément information victime non les mêmes t'a recevoir plusieurs balles dans l'estomac li c'est ça une sa policière qu'une capable fait confiance informe victime non qui est assemblé et se fait en transaction la banque yo banque qui dans niveau zone Delma 3 zone en bas et c'est là en sortie pendant sortie dans banque là et les bandits attaquer lui et puis yo était un souffle policier ça Abel Rochas qui sont agent 3 hier après-midi mercredi qui était 12 mai 2021 Nous parlons avec reportage sa collaborateur nous Jean-Philippe Masséan fait nous connaît sur toutes les réseaux sociaux nous t'a parlé ça hier Blaise Peterson ensemble avec citoyen sa Peggy Siméon tout le monde t'a sur toutes les réseaux sociaux malheureusement qui victime en bas mais la police qui t'a supposé protéger et puis servi autorité policière ont déjà identifié toute policier qui impliqué dans Zak Maspina et sous Peggy Siméon quatre là d'ailleurs déjà placé en isolement d'après directeur départemental nord-est là Fritz Saint-Fort qui retournait sous incident ça qui sale image institution policière là reportage Jean-Philippe Massir image je t'ai couru sur toutes réseaux sociaux jeudi mardi 11 mai la police cap malmené un citoyen pral nan deux pieds sous tête yon bus voyez l'en bas yon l'autre policier recevra la quelques coups de bâton baseball ça t'a pral pi grave toujours les tout pour n'a pas prendre citoyen ça t'a rend dernier souffle l'hôpital Wanamet là ça qui soulevé colère en pile monde sur internet là la police nan pi haut niveau déjà saisi des dossiers ça directeur départemental nord-est là Fritz Saint-Fort a tenté porter certaines explications sur l'incident ça environ 14 bus samedi dernier qui t'a quitté Wanamet
coalition Raphaël. Et malheureusement, il y a un autre citoyen qui fait partie de l'équipe Mounsao qui a organisé l'activité, qui est monté sur deux lignes dans le bus. Et ça a paniqué, et les gens qui ne connaissent pas qui est, on connaît la situation de sécurité que nous avons dit là, et nous avons fait appel à la police. Pour la police, qui est capable de maîtriser Mounsao, parce que toute tentative de faire, même pas de patrouiller, et maîtriser libre, nous faisons quitter deux bus là. Et c'est ainsi que la police à Wanamet, le commissaire Wanamet a touché des informations et allé à petit secours à Mouniotri dans le bus, etc. Et les policiers ont été arrivés, c'était là-dedans, qui oubliaient le principe institution, passé derrière tout ça, ont été appris à l'académie pour maltraiter Peggy Siméon. Ils sont arrivés, aux jeunes citoyens, effectivement, mais des rois qui a tourné sur les réseaux, ont montré que. Et comportement inapproprié de certains policiers et qui partent maîtriser sans froid, qui partent maîtriser l'émotion et qui vivent un spectacle ça. C'était Debakop, commissariat Wanamet, qui était impliqué dans l'incident ça. Majorité là-dedans, c'est Idmo, 4 dans messieurs ça, déjà placé en isolement, après une suite enquête là. D'abord des mesures internes, des mesures administratives, côté que éléments ça, ils ont privé de badge d'identification policière et ils ont privé autour de l'examen de service. Et il y a 4 là dans que l'inspection générale au niveau du plan nord placé en isolement. Et nous avons continué le travail de conseil avec l'inspection générale pour dire qu'il y a l'autre policier qui a fait objet d'audition et nous capable de conclure à fixer responsabilité chaque élément. Fritz Saint-Fort reconnaît l'image de l'aide pour l'institution qui déjà fait face à une pile difficulté. Cependant, directeur départemental la regrette incident ça arrivé dans un moment policier dans le département a suivi formation sur droits humains et technique intervention dans le cadre programme formation continue responsable yo mettez sous pied. Ça qui arrive, il y a une étape certes, mais faut nous rassurer tout le monde que la police nationale au plus haut niveau pas jamais suspendre rappeler à policiers, à travers des séances de sensibilisation et de formation continue, auto-obligation que vous avez pour appliquer et les règles déontologiques de la police. Ce n'est pas le premier acte regrettable, policiers commettent dans le dernier temps ça. Si tous les appels intervenus dans le mouvement de protestation, il y a une série d'incidents qui ont l'image de la police là, puis plus toujours. Il y a une institution qui a fait face à toutes qualités, difficultés. Tant que les policiers sont capables d'abandonner pour mauvaises conditions de travail, sans compter l'autre, ils disent que la guerre dans un banditisme, vol, kidnapping et la trier. Il y a une situation qui poussait un pile l'observateur à demander est-ce que l'institution ça n'a pas mérité de boisser. Jean-Philippe Masséan, Radio Méga. 5h45. Merci à Pile Masséan, pas menti, vraiment, pile problème dans la police, non. Et un pile problème, récemment, il y a un SKL, Sotkar Lévesque, qui lui-même t'a présenté un rapport sur n'importe presque deux l'année, il fait, il a enquêté sur le fonctionnement institution de la police, non. Il y a un pile donné qui a été présenté, monsieur, c'est à te présenter un reportage avec ça. Mais en plus, moi, je dis vraiment, quoi, que faut que il a capable de garder dans quel niveau pour permettre que la police, non, et que la population capable reprendre confiance dans la police, hein, parce que je dis à la, en pile monde perdit confiance dans la police. À longtemps, là, on était en policier, ou t'es vraiment content sans tourner pour, parce que comme policier, qu'on a assuré en sécurité, qu'on y a, mais je dis à la, en pile monde dit là, on policier, bon, on est en uniforme, pas mec qui me dit ça, on est en uniforme, et je dis à, et sincèrement, lui, en vie courir, il y a je dis à qui puisse, quand il y a à l'aise, là, on est qui est illégal, dans même qui est policier. Bon, là encore, c'est des situations que, faut recommandement peine, ça t'as capable de niveau pour permettre que la population lui-même reprenne confiance dans l'institution de la police que nous avons là. Effectivement, le directeur général de la police nationale d'Haïti, Léon Charles, confirme qu'il y a 4 policiers qui en isolement, il y a 3 qui en maison conservatoire, 3 policiers qui commettent action ça. Léon Charles fait qu'on est la police judiciaire déjà tant des membres famille victimes non dossier après le transféré dans paquet d'Andes. En côté des directeurs général à IPNH, non, Léon Charles pour plus de détails. Après un appel qui était lancé par des pèlerins qui t'abrèle Saint-Raphaël à bord de plusieurs bus. Il y a un jeune garçon qui montait dans un bus. Il y a une patrouille composée de plusieurs policiers de l'UDMO et des policiers administratifs. Il a fait une intervention pour faire que l'individu descende de bus là. Malheureusement, un incident regrettable est venu passer. Et c'est incident ça
que nous tous avons gardé sur les réseaux sociaux. Pour qu'on y ait, la police judiciaire du Nord déjà tendait des membres de famille victimes. Les divisions, inspection générale du Grand Nord, vient en prendre charge dossier et jusqu'à minute ça, quatre policiers placés en isolement, des mesures conservatoires qui prend contre l'autre. Selon procédure qui est établie dans le cas de flagrance, le dossier 1 pourra le transférer dans le commissaire gouvernement zone pour les suites judiciaires. Sur le plan administratif, l'autre sanction apprend contre les policiers. La direction générale a déploré de tels comportements. Et comportements qui sont indignes, pas fait honneur à l'institution, dont le respect de l'homme constitué un principe fondamental qui doit guider les policiers dans le travail qu'ils font. La direction générale a présenté ses patils à la famille M. Siméon Pegui, qui mourit après qu'il ait arrivé à l'hôpital. PNH là a défendu tout policier qui est victime d'un exercice fonctionnel. Mais tout l'a sanctionné, tout policier qui fait genre de acte qui n'est pas correct. Ça. N'a toujours été sous même dossier ça nous parlons avec ce sénateur nord-est Jean-Baptiste Bien-Aimé qui confirme Peggy Siméon t'est fait déporter sous frontière dominicaine au niveau Wanamet samedi passé à si un ONG qui t'est balé un petit côté pour t'est passé nuit là dans deux mains il t'a passé prend ou libre sous tête bus là on s'est parlementaire fait qu'on est cadavre là pour qu'on est dans cette santé Wanamet là il est déjà metté avocat disponible pour famille victime là un côté ancien sénateur Jean-Baptiste Bien-Aimé dans le micro Romanès ce samedi. Éléments sont monde qui sont en République Dominicaine, qui rapatrié de la République Dominicaine de Santiago, selon toute information que journaliste radio ou analyste Obey. Moun ça sorti en Dominicaine rapatrié, mais ils ont poussé dans la frontière la nuit. Nous voulons que nous comprenions l'y entrer, arrêter le vendredi pour arriver samedi matin. Eh bien, M. Pagé, 50 nommés, c'est dans une situation difficile. C'est grâce à solidarité frontalière, solidarité sur l'institution jésuite, qui payait un petit hôtel pour lui côté pour l'autre. Dans demain, il y a 12 bus qui ont dirigé vers Saint-Raphaël, qu'on est passé au Cap. Famille, habité au Cap, il besoin de joindre le Pagé Cob. Seule erreur qu'elle fait, le passement d'autorisation, monter sous tête, il y a une ambition. Mounio missionnaire yo qui paniquait et comme yo paniqué yo relé la police missionnaire pas relé la police pour tenir batli ni courriel d'ailleurs c'est même l'église catholique qui t'a assisté pendant qu'elle était en difficulté et bien élément ça police est arrivé et bien qui ça a fait c'est yon monté en l'air nous ouais image là au point de vol tirer la terre malgré que il y a moun nan missionnaire qui dit c'était gagné un comportement qui paté et correct, parce que te dit le descend, il va venir descendre, et bien même policier au vol tirer la tête. Mais en nous clair que lui a été fait le descendre, mais c'est battre avec bâton bisbol juste au tuyau là. Ça, lui, pas normal, c'est vraiment un crime odieux. Communauté Wanamètes là, répudiel, Nord-Est répudiel, nous-mêmes tous nous répudiel, c'est ça que fait nous faire contact avec l'organisation de l'Union. Nous parlons avec Mario Joseph dans le bureau avocat international pour faire une assistance apparente pour permettre nous poursuivre non seulement les policiers à l'OA et que nous poursuivre la police nationale là qui a assassiné M. Gagnon, c'est toujours avec ancien sénateur Jean-Baptiste Bien-Aimé qui lui-même t'a profité occasion pour critiquer l'autorité qui n'a pas fait rien pour défendre droit haïtien dominicain. Envoyé tourner chaque jour sans respecter accord qui était signé en tant que pays. En cause, t'es interdit autorité dominicaine de déporter haïtien par pile à par paquet. N'en nuit surtout sans assistance. En côté pour une deuxième fois ancien sénateur Jean-Baptiste Bien-Aimé. Bon, normalement, t'es toujours gagné tendance ça. Dominique est toujours en tendance à respecter nous. Mais cependant, moi, je trouve que nous n'avons pas toujours avec la vie de mal. Nous avons le pire, pas de quel respect. Parce que si nous disons qu'au lieu de 10h, 9h, 10h, selon toutes les informations que nous avons, c'est l'ESA, nous voyons à un groupe haïtien, c'est pas lui-même seul. Et c'est chaque jour, ça a fait.
y a volé haïtien la nuit, il y a pas tant d'immigration pour dire que nous recevons ou mettre à le faire n'importe quelle dans l'immigration à notre connière, il y a tout, il y a pas au courant. Il y a du pas connait parce que effectivement que on pas connait. Mais cependant autorité dominicaine pas qu'à rapatrier haïtien aux heures de la nuit. Maintenant pour y a côté autorité haïtienne yo, côté ONM, côté moun pa nou yo. Et maintenant yo existe. On veut exemple, il y a ONM qui existe. ONM obligé mais pour qu'a agir faut que le courant. Qui est-ce qui pour informer? C'est le consulat d'Haïti à Dabon qui pour informer l'autorité ONM, le boutique qui a un rapatriement qui va le faire, et puis pour le cas contrôler, nous mon coronavirus. Et l'autorité sanitaire est supposée là pour prendre attention, pour contrôler, est-ce que nous avons attaqué le corona. L'État est supposé présent, est-ce que nous avons pas représenté une sécurité pour le pays? Et bien, qui ne nous pas de personne, monde qui pose une question, l'État pas existé. L'État va exister. Voilà, ça c'est déclaration, c'est sénateur Jean-Baptiste Bien-Aimé, lui-même qui t'a répondu à une question collaborateur nous romanais samedi pour ailleurs mercredi à l'émission Boost. Nous toujours sous même dossier ça, gain office à protection citoyen OPC qui les même met en note pour la presse de Yo suite avec ça qui rivia Peggy Siméon que le traduit l'irélé yon mort violente ça veut dire la condition que Peggy Siméon est mort à lui-même. Ben office protection citoyen institution nationale indépendante qui a fait promotion à qui a protégé droit monde, il rappelait ça, il rappelait ça, c'est institution nationale indépendante qui a fait promotion et puis protéger droit monde, vous mettez ça dans notre ça parce que avait pas de contrôle métal mais qu'on a metté ça. Il exprimé ça relé diation yo sud avec la mort violente et citoyen ça puis Guy Siméon lui-même qui fait dans date qui était dimanche 9 mai 2021 dans ville Wanamette qui trouvait dans département nord-est paysan. Selon l'information que communiqué par représentant OPC dans région et qui disponible sur toutes réseaux sociaux yo, Guy Siméon c'est yo monde que agent l'autre yo maltraité yo bali sérieusement et agent policier ça yo qui eux-mêmes qui commettent zak ça qui maltraité Peggy Siméon et quelques heures plus tard dit après quelques temps qui t'a pas le grand essoufflé dans l'hôpital qui trouvait dans la ville Wanamette et responsable OPC au fait qu'on ait plusieurs versions gain plusieurs paroles qui viennent dire par rapport avec et sous la mort et face aux policiers t'a maltraité et martyrisé Peggy Siméon. Mais circonstance là, circonstance arrivée à livre vraiment regrettable et révolté conscience en pile monde et yo même tout non et OPC qui c'est Office Protection Citoyen. OPC rappelé que commun physiquement les inviolables. Ça veut dire pas qu'à faire n'importe qui bagarre n'importe qui gens avec commun. Pour qui ça OPC dit ça, c'est par rapport avec Jean police après la gueule en bas et puis Jean entre avec combat ton baseball là comme si baseball l'a joué la poussé mis coup de bâton. C'est vrai qu'on l'autre vidéo sur l'autre angle qui montre que côté et Peggy Siméon t'es un comportement tout qui peut-être pas trop bien que ça mais en plein monde dit tout si pas grand force proportionnelle avec agent l'audio qui prend formation en académie sous qu'a gétant monter de machine nan, ou ballon de baseball ou maîtriser ça veut dire que t'es caménoté le pas de besoin lancer en bas. Il y a monde qui ouais ça tout dans vidéo ça tout interpréter le concept tout yo fait comprendre tout et là pas de gain raison tout pour police te voyer là bas même l'homme c'était un mauvais comportement tout envers police ça t'es monté sous de machine non mais le fait qu'on ait déjà servi un coup de bâton ou maîtriser l'IOBI quelque part ou t'es doué maîtriser parce que ou gain formation en plus sous ça mais au PC rappeler que corps humain comme on dit inviolable autorité policière yo qui gain pour mission yo protéger ak servi doué respecter ça l'intégrité physique commune moralement tout psychologique tout la vie monde commune tout ça au PC exiger une enquête rapide l'ouvrir sous dossier ça et demander pour capable prendre sanction contre policier mais contre actuellement ensemble de policiers qui commettent actions violentes sous Peggy et Siméon. C'est ça incapable dans notre pour la presse ça que OPC lui-même écrit suite à la mort Peggy Siméon citoyen ça passé dans ville Wanamette. C'est protecteur citoyen Renan Edouville qui lui-même porté s'y a-t-il en bas note ça pour office protection en citoyen.
L'autre réaction dans le cadre de dossier, ça, il y a un porte-parole SPNH 17, là, Domon Sensi, qui t'a préagi sous incident, ça. Mais porte-parole a exigé inspection générale, mener enquête pour punir tout policier qui est impliqué dans ZAXA. Porte-voix SPNH 17, là, quoi, policier, ça, il y a un gros problème mental. Un syndicaliste critiqué responsable PNH qui permet assistance psychologique pour policier qui a fait face à quand plus de difficultés dans le moment, ça, en côté Domon Sensi. Et maintenant, ce temps, n'a voulu faire nous comprendre tout. Et regardez ces débats qui sont passés en dedans institution hein, qui rendent que nous tous, nous toujours dit que morale policier à zéro, nous toujours dit ça dans plusieurs interventions que nous faisons. Nous toujours dit que morale policier à zéro, nous avons regardé ça qui est passé 12 mars là, et après 12 mars là, continue des crimes qui fait continuer des policiers qui sont tombés. Nous avons demandé est-ce que ce n'est pas santé mentale policiers qui attaquent. Est-ce que les policiers n'ont pas de problème? Les policiers qui sont venus faire intervention ça, est-ce que ça des policiers qui ont un problème mental? Parce que vous ne comprenez que vous n'êtes pas représenté en quel danger pour vous. Et pour prendre, pour traiter de la sorte, pour prendre, pour utiliser pour force ça. Nous avons demandé, nous avons demandé et nous toujours demandé en dedans institution pour gagner une section qui gagne des psychologues là-dedans qui pour approuver les policiers, pour garder pour comment ça y est, comment santé mentale y est. Et nous avons demandé à tous les policiers ça qui tabagent, qui nous aller dans profondeur pour nous connaître. Passé policier ça, qui est ce policier? C'est pour un policier qui t'a fait prison déjà. Et c'est pour un policier avant d'entrer dans l'institution, qui comportement qu'il t'a gagné dans le quartier, dans la zone de la calée. C'est pour un bandit habillé sur une femme violente. Donc, bagaille, ça lui vraiment dérangé nous, Libanon, en pile problème. Et nous condamnons ça là, et nous demandé avec l'inspection générale pour prendre des mesures de la stricte, pour être capable de corriger ça. Non seulement pas corriger, les puis c'est fini avec ça, mais faut stabiliser encore. En dedans institution, c'est une institution qui charge mon set, qui a un pile dérive, qui va peut-être la donne, parce que chaque monde a une seconde éducation qui est différente, chaque monde a un côté qui est sorti, chaque monde a un gens qui comprennent, et la société a un gens qui comprennent les bagailles. 6 heures. N'avancer avec information, gain secrétaire d'État sécurité publique qui a annoncé une série d'activités dans l'idée pour chercher plus bon formule intervention pour combattre kidnapping dans le pays. Secrétaire d'État sécurité publique la France Sébastien Jean-Charles t'a profité démenti information qui t'a fait croire c'est négocier autorité concernant négocier avec Bandio pour nous dire bien monsieur village de Dieu ensemble avec Gravigno pour capable font poser dans question za kidnapping et puis action à commettre sur bicentenaire. On suit un reportage avec un collaborateur, nous, Alix Gauthier, sur le dossier ça. Malgré Gagnon annoncé pause, autorité ou pas décidé de faire back devant bataille à mener pour éliminer kidnapping dans net aller dans la société. Dans ce sens, secrétaire d'État sécurité publique là, Franz Sébastien Jean-Charles, annoncé une série colloque forum, une façon pour brasser l'idée pour joindre plus bonne formule pour attaquer Gagnon. Le bureau envisage en outre la mise en place incessamment d'un espace de concertation avec d'autres acteurs étatiques et des membres de la société civile pouvant favoriser l'émergence de nouveaux modèles d'intervention en vue de faire face à l'évolution des différentes problématiques sur le kidnapping. En pile question à poser, pour qui c'est après trêve bandio, autorité ou paraît tête yo? Secrétaire d'État, Captain T. Defend Tetli, précisé, il a commencé le travail avant même, Badi a décidé de prendre pause là. Ce n'est pas coulière que le gouvernement a annoncé que le roi de bataille contre l'insécurité et le kidnapping. Bataille, ça a déjà existé. Gouvernement, le président de la République, le premier ministre et tous les autres acteurs concernés par la question de la sécurité publique, ils ont tous déjà des pieds à terre. Nous tous déjà à travailler en synergie pour nous adresser la question de sécurité et particulièrement de kidnapping. Ce n'est pas pour hier que le gouvernement a adressé ce problème-là. Nous sommes toujours à adresser ce problème-là dans toute dimension. Ce n'est pas pour hier. France, Sébastien Jean-Charles, t'es profité de mentir information qui t'a fait quoi bandit ou t'es recevoir gros l'argent pour faire bac sous kidnapping nan. Dans la foulée de tout ce qui se passe dans le pays, beaucoup de choses se disent. C'est MDDR, c'est une commission qui travaille avec différentes entités dans l'État hein, pour arriver à trouver des solutions aux différents problèmes. Mais tout le monde connaît que le président
de la République, M. Jovenel Moïse, le Premier ministre AI, son Excellence le Dr Claude Joseph, c'est des personnages avertis. Nous sommes un État souverain, régalien. Il y a des actions et des mesures en cours pour nous juguler tous les problèmes liés à l'insécurité généralisée. C'est vrai, depuis après ISO, si l'appli fin annoncé, il y a campé sous kidnapping nan, pour qu'il y ait un nouveau cas qui signalé dans la zone métropolitaine. Nan. Mais citoyens ont toujours été vigilants parce que personne pas connu qui date trêve ça à bout. Est-ce que l'autorité a tout profité de résoudre le problème gang qui gagne dans tout pays a un dossier n'a suivre. Alix Gauthier, Radio Omega. Merci en pile Alix Gauthier côté gain secrétaire d'État sécurité publique là Jean Chaudi à la France Sébastien Jean Charles qui a annoncé là mais autorité concernée yo avancé sérieusement garder comment capable finir avec sa net cousé kidnapping dans un pays hein, et pendant le profiter des menti information qui t'a fait croire que c'est yon entente c'était chita parler c'est négocier que autorité concernée yo t'a négocié ensemble avec monsieur village des dieux on a même obligé mettre monsieur de comprendre wow. Et puis, petit appli qui n'a lui-même qui n'a tête de coupe armée là qui en dans un gravine qui t'a fait opposer, on va faire un petit poser là. Mais Sébastien France, Sébastien Jean-Charles dit non, pas gagner sa pièce, c'est l'État pas gagné pour le Téchita, mais pas Chita pas ensemble avec un bandit d'après sa France, Sébastien Jean-Charles lui-même dit.